Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce jeudi 25 février 2021 à la soirée Métiers de la Santé. Elle est organisée dans le cadre du cycle Ouvrez l'œil et des soirées métiers proposées par la DOIP, la Direction de l'Orientation et de l'Insertion Professionnelle de l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes. Cette soirée est organisée en partenariat avec les responsables du Master Ingénierie de la Santé, du Master Biologie et des parcours Biotech-Co, Chemtech-Co, Science Trading, Pro de Bio. À vous tous qui nous regardez, lycéens, parents, étudiants et autres curieux, sagement installés chez vous derrière vos écrans, toute l'équipe d'organisation souhaitait vous proposer à tous une expérience similaire à celle qui se déroule habituellement en votre présence ici même. Et ce, malgré la crise sanitaire, avec une conférence en live sur les réseaux sociaux. Et en présence des acteurs du secteur de la santé qui se sont joints à nous ce soir. À travers leurs témoignages de professionnels du secteur et d'anciens étudiants, ils vous permettront de mieux connaître, cerner, comprendre les différents métiers et les différentes formations en lien avec la santé, la recherche médicale ou biologique, les sciences et l'innovation, car le secteur de la santé ne se limite pas seulement aux métiers plus connus de médecins, pharmaciens ou personnel hospitalier. Et c'est sur ces autres métiers et autres compétences que nous nous concentrerons ce soir. Moi, je suis Anne-Cécile Draymond et j'ai l'immense plaisir de mener cette soirée riche d'informations dans un rythme soutenu. J'aurai la joie de vous présenter nos invités et la grande responsabilité de ne pas les laisser déborder du temps imposé pour cette soirée. Mission qui va être complexe, je le sais déjà, car ce sont des passionnés et ils sauraient être intarissables. C'est la 10e soirée métier organisée par l'UGA sur le thème des métiers de la santé. C'est la 2e soirée métier de l'UGA organisée sur ce format, live sur les réseaux. Et la dernière était le 10 décembre 2020. Elle se consacrait au métier de l'intelligence artificielle. Vous avez été nombreux à la voir et à la revoir et nous vous en remercions. Ce soir, nous aurons des invités sur le plateau à mes côtés. Cyril Beauté, Clara Michenot, Rémi Reboulet et Nicolas Chénet, que j'aurai le plaisir de vous présenter plus amplement tout à l'heure. Et nous aurons aussi d'autres intervenants qui se consacreront, eux, au parcours de formation. Ils seront juste à côté de nous, ici, à l'Amphiveil. Il y aura Marc Audon, vice-président de l'UGA, et les enseignants-chercheurs Jean Breton, Alain Buisson, Françoise Gabert et Ghislaine Pella, tous responsables de formation. Mais sans plus attendre, justement, je vais donner la parole à Monsieur Marc Audon pour un petit mot d'introduction. Marc Audon, vous êtes vice-président formation continue, apprentissage et insertion professionnelle à l'UGA. Merci d'être avec nous ce soir, Marc Audon. La parole est à vous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette soirée métier dédiée au métier de la santé. Nous allons voir, et vous allez avoir pas mal de présentations ce soir, qui montrent l'engagement que nous avons à l'université sur le développement des compétences, la formation, l'orientation et l'insertion professionnelle. Toutes nos équipes sont mobilisées pour la réussite de nos étudiants, pour que les compétences apportées permettent un déploiement et un rayonnement international à chacun et à chacune. Nous voulons, et vous allez le voir, la direction de la formation, de l'orientation et de l'insertion professionnelle ici, et toutes les équipes ont fortement travaillé pour que ce soir, vous puissiez trouver la réponse à vos questions, vous puissiez peut-être développer une vision à long terme, une idée de métier nouveau. C'est vraiment un point important pour nous. Je voulais aussi remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes pour leur soutien à notre démarche et à ce travail qui est fait aujourd'hui avec l'Université Grenoble-Alpes. Donc, je vous souhaite une belle et bonne soirée, pleine d'ambition, pleine de rêves et pleine de réussite. Merci beaucoup, Marc Audon, pour ce petit mot d'introduction. Nous accueillons tout de suite notre premier invité de ce soir, Cyril Beauté. Vous obtenez votre doctorat en 2007 avec une thèse intitulée... Alors, je vais prendre ma respiration... Études structurales, cellulaires et pharmacologiques de la synthèse des galactolipides chez Arabidopsis thaliana et Toxoplasma gondii. Je reprends ma respiration. Depuis, vous avez vous-même dirigé des thèses et vous êtes aujourd'hui directeur de recherche au CNRS, chef d'équipe à l'Institut pour l'avancée des biosciences. Bonsoir et bienvenue avec nous sur ce plateau, Cyril Beauté. Bonsoir Anne-Cécile, merci pour l'introduction. C'était un titre difficile à prononcer, donc je vous remercie pour l'effort. Merci beaucoup. Je m'en suis sortie.
Alors, si je vous demande, qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter vers ce domaine d'activité, la santé, qu'est-ce que vous me répondez ? Alors, d'abord, au cours du lycée, puisque c'est à ce moment-là que ça a commencé, j'étais en formation S, biologie, donc j'avais une curiosité, une envie, une passion personnelle au niveau de la biologie, et ça s'est petit à petit transformé à une envie d'utiliser cette curiosité que je pouvais avoir au niveau de la biologie pour être utile à la société, utile aux humains, et donc essayer de pouvoir répondre à des questions biologiques tout en essayant peut-être de soigner des maladies. C'était très, très généraliste comme ceci, mais c'est cette envie m'a conduit à développer mon métier actuel. Merci beaucoup. Et votre métier actuel, justement, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, comme vous l'avez dit, donc, je suis directeur de recherche au CNRS, je suis chef d'équipe au sein de l'Institut pour l'avancée des biosciences et je coordonne une plateforme de spectrométrie de masse au sein de l'Institut. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons des questions scientifiques concernant des agents pathogènes qui sont, dans le cas de notre équipe, l'agent de la malaria ou paludisme humain qui tue environ 400 000 à 500 000 personnes chaque année, donc une personne toutes les 3 minutes, la plupart sont des enfants. Et donc, nous essayons de comprendre comment ces pathogènes se développent au sein de leur hôte humain, comment ils interagissent avec, comment au cours des millions d'années d'évolution qu'ils ont eues en commun, ils ont pu développer cette connaissance l'un de l'autre, l'utilisation des voies métaboliques de chacun, et comment le parasite utilise à son escient les capacités qu'a l'hôte humain à lui fabriquer des nutriments, des choses pour se diviser et donc pour se propager. Vaste sujet, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour nos téléspectateurs de ce soir sur votre parcours de formation ? Oui, alors j'ai commencé après le lycée, comme je l'ai mentionné, avec un bac S mention SVT à l'époque, comme ça s'appelle. Je pense que la réforme est en train de changer, donc oui. Ça change de nom. Je suis rentré à l'université dite Joseph Fourier à l'époque, qui maintenant est à l'université Grenoble-Alpes. Et puis j'ai suivi ce qui s'appelle un DUG à l'époque, un DUG de sciences et vie de la Terre, donc les deux premières années du système licence maîtrise doctorat actuel. Continuer sur une licence, donc la troisième année. Puis au cours de ce qui s'appelait la maîtrise, donc le Master 1 actuel, je suis parti dans le cadre d'un échange avec l'université vers les universités de Californie, où j'ai passé un an à étudier à l'Université de Californie San Diego et à faire mes premières armes, si vous voulez, dans les labos et à commencer à étudier les plantes et les voies métaboliques des plantes. Et c'est ça qui m'a donné un petit peu l'envie. Vous allez voir qu'en fait, les parasites sur lesquels on travaille, ils sont issus d'une même évolution que les organismes photosynthétiques qui sont capables d'utiliser la lumière du soleil pour vivre. Et en fait, ces pathogènes humains sont issus de la même branche, ont perdu ces capacités photosynthétiques et ont gardé toutes les autres voies métaboliques des plantes. Donc nous cherchons à comprendre les facettes végétales du parasite. Donc je reviens sur ma formation. Donc j'ai fait ma maîtrise là-bas aux États-Unis. Et puis après, j'ai été contacté par une personne ici, le docteur Eric Maréchal, qui est venu pour me dire « Écoute, il se trouve que des parasites de l'homme ont une origine commune avec les plantes, on pourrait donc trouver des médicaments qui seraient dirigés contre leur facette végétale. » Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dès le départ, qui m'a donné l'envie d'aller découvrir ce sujet qui était qui partait un peu dans tous les sens et qui avait des débouchés potentiels pour les traitements. Donc je suis revenu, j'ai fait ce qui s'appelle le DEA à l'époque, donc mon Master 2, et puis j'ai enchaîné sur un doctorat ici à Grenoble. Puis je suis parti après en post-doctorat chez la personne en Australie qui a découvert cette facette végétale de ces parasites, à l'université de Melbourne, le professeur McFadden. J'ai passé 3 ans là-bas sous un financement dit Marie Curie, donc un financement européen, qui m'a permis de partir pendant 2 ans et de revenir en France sur le même projet, articulé entre les deux pays. J'ai d'ailleurs initié une collaboration qui est toujours d'actualité entre les deux pays, entre nos deux laboratoires.
Nous avons d'ailleurs un laboratoire international associé entre l'Université de Melbourne et l'Université de Grenoble sur ces sujets-là. Et puis, au retour de mon postdoc, j'ai postulé au poste ici au CNRS à des demandes de financement pour monter mon équipe sur des thématiques que nous avions pu développer au cours des dernières années sur ces mêmes sujets. Et puis, petit à petit, j'ai construit une petite équipe. Et puis, j'ai aussi postulé aux des financements en France. Il y a beaucoup de financements en France pour qu'on revienne, pour qu'on développe ce qu'on a pu apprendre à l'étranger. J'ai pu obtenir une bourse dite de retour postdoc, et puis ensuite une bourse dite ATIP Avenir, financée par le CNRS et l'INSERM, qui m'a permis de monter mon équipe. Et puis donc depuis 2013, j'ai cette équipe qui maintenant a pris une autre dimension. On a une douzaine de personnes, des doctorants, des post-doctorants, des ingénieurs, etc. Donc voilà jusqu'où ça m'a mené. D'accord, donc partie des plantes, quelques voyages et du coup la santé. Tout à fait. Une journée de travail typique pour vous, elle se déroule comment? Pour donner un peu une idée de ce que ça donne au quotidien pour nos spectateurs. Alors, déjà, quand on est chef d'équipe, c'est-à-dire qu'on essaie de déterminer les approches expérimentales aux questions scientifiques qu'on se pose. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre, dans le cas présent, comment ces pathogènes peuvent tuer l'homme ou interagissent avec lui. Donc, on doit se poser des questions scientifiques et donc on développe des approches expérimentales. Et donc, dans ma journée type, typiquement, avec les différentes personnes qui sont dans mon équipe, qui sont responsables de questions spécifiques, on va débriefer ensemble, on va faire le tour. Quelle manip as-tu fait aujourd'hui? Quels sont les résultats? Comment les interprètes-tu? Est-ce qu'il y a eu des choses à changer? Donc, je fais le tour un peu de tout le monde, des installations, puisque nous avons aussi un laboratoire dit P3 étoile, donc un confinement spécifique pour des agents pathogènes dangereux. Donc, on fait le tour des installations, de la plateforme de spectrométrie de masse, donc voir si tout fonctionne bien. Et puis ensuite, j'ai une fonction qui est beaucoup d'écriture, de contact avec les gens. Donc je peux très bien passer une bonne partie de la journée à écrire un article scientifique qui va résumer les données qui ont pu être développées au cours des dernières années sur une question spécifique. Ensuite, on écrit ces articles que nous soumettons à des revues spécialisées qui vont être revues par les pairs et qui vont être données à l'ensemble de la communauté scientifique, puisque c'est comme ça que la recherche fonctionne. On découvre des choses, on les propose à la communauté et elles sont ensuite lues et relues et validées. Et puis c'est à partir de ces données qu'on donne en gros à la communauté internationale que l'on bâtit les nouvelles connaissances. Donc je vais écrire, mais aussi en tant que chef d'équipe, je suis un peu un chef d'entreprise au sein de l'appareil de l'État. C'est-à-dire que je dois aussi lever les fonds nécessaires pour faire tourner l'équipe, pour avoir les salaires, pour recruter les personnes, pour acheter les réactifs, les machines. Donc on a toute une partie qui est sur la réponse aux appels d'offres nationaux, internationaux, publics, privés, pour lever des fonds. Ça aussi, c'est une partie assez importante de notre activité. Et puis l'activité qui pour moi est la plus importante, c'est la transmission. Je pense qu'il y a d'autres acteurs qui vont en parler aujourd'hui. C'est-à-dire que on va faire des présentations. On va typiquement, le titre de ma thèse est quasiment imbuvable, comme ceci, mais ça veut juste dire que ces parasites ont une facette végétale. Et on peut soigner des gens comme ceci. Donc on va être aussi amené à transmettre ceci à des gens qui sont déjà formés, des étudiants ou des doctorants qui ont déjà un background assez important, ou à des gens qui ne sont pas du tout. Donc je vais dans les lycées certaines fois pour expliquer en quoi consiste notre métier, en quoi consiste la biologie, au-delà de ce qu'on a pu voir en cours ou dans les livres. Donc on a tout ce qui est la transmission, parce que de toute manière, la connaissance humaine passe par la curiosité et la transmission des connaissances. Donc préparer des présentations, etc. Et puis il y a une partie un peu, on va dire, politique aussi des choses à mon niveau, c'est-à-dire que pour lever des fonds, il faut aussi convaincre des personnes, des industriels, de la nécessité d'investir, de s'intéresser, ceci. Donc ça, c'est une facette un peu, on va dire, nouvelle de mon métier où je participe beaucoup à des conversations pour expliquer ce que nous faisons.
D'accord, oui, donc c'est des journées bien remplies et un programme bien chargé. Tout à fait. Et très varié. Tout à fait. Et merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour d'autres questions, mais je vais passer tout de suite à notre prochaine invitée, Clara Michenot. Vous êtes une sportive née, une vraie grenobloise, et après un parcours de formation à l'UGA et diverses expériences professionnelles, vous êtes aujourd'hui spécialiste assurance qualité fournisseur chez Biomérieux. Bonsoir, bienvenue avec Bonsoir. Nous ce soir. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce qui vous a poussé à travailler dans le domaine de la santé aujourd'hui? Oui. Alors, faut savoir que quand j'étais au collège et au lycée, je n'avais pas une idée précise du métier que je voulais faire. que je voulais faire plus tard. J'avais un intérêt pour les matières scientifiques, donc je me suis orientée vers une licence de biologie et... Ensuite, au cours de ma troisième année de licence, j'ai essayé de regarder les différents masters qui étaient proposés par l'UGA pour rentrer un peu plus dans le domaine de la santé. Et c'est là que j'ai découvert le master qualité. Donc, je me suis décidée de m'orienter dans ce domaine-là. Et au cours des stages que j'ai effectués, donc j'ai effectué un stage au CHU de Grenoble et j'ai effectué aussi un stage chez Roche Diagnostic France. Donc ces deux stages m'ont permis de confirmer mon attrait pour le domaine de la santé. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu pour nos spectateurs en quoi consiste aujourd'hui votre poste chez Biomérieux et puis peut-être aussi quelle est l'activité précise de Biomérieux? Alors, je vais peut-être commencer par la deuxième question. Oui. Donc, Biomérieux, c'est une entreprise française qui est maintenant présente à l'international, qui travaille dans le domaine du diagnostic in vitro. Donc, elle va fournir des systèmes, des logiciels, des services et des réactifs qui vont permettre de déterminer l'origine d'une contamination ou d'une maladie. Donc, ça va être du domaine clinique et du domaine aussi industriel. Et ensuite, mes missions, donc j'ai plusieurs missions principales. J'organise des réunions d'analyse d'impact lorsque les fournisseurs nous informent d'un changement dans une matière première que nous achetons chez eux. Donc en fait, l'objectif, c'est d'évaluer l'impact que ce changement a sur les produits finis de Biomérieux. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je réalise des audits fournisseurs. Donc, un type particulier qui est un audit par courrier. Donc, en fait, ça se réalise par le biais d'un questionnaire qu'on envoie au fournisseur. Et on a aussi des échanges par mail avec ce fournisseur. L'objectif est de vérifier que le système de management de la qualité du fournisseur répond aux attentes de Biomérieux et aussi aux exigences réglementaires et normatives. Donc, j'effectue aussi cette partie-là et je m'occupe de la gestion des problématiques fournisseurs. Donc, quand on rencontre des problématiques récurrentes avec des fournisseurs, je suis chargée de trouver des solutions avec le fournisseur, bien entendu. Donc, je peux créer un cahier des charges ou mettre à jour un cahier des charges avec le fournisseur. Je peux aussi participer et organiser des meetings avec les fournisseurs pour discuter des problématiques et voir comment on peut avancer ensemble sur ces sujets. D'accord. Donc, c'est par votre intervention que Biomérieux a les bons outils et les bonnes matières de bonne qualité pour réaliser ses... Et les bons fournisseurs. C'est son travail. Et les bons fournisseurs aussi. Une journée de travail classique pour vous, elle se déroule comment? Alors, je n'ai pas de journée type exactement. Je suis amenée à faire des choses assez variées. Je peux très bien passer du temps seule à effectuer des audits, à rédiger des rapports, à préparer des réunions pour présenter les problématiques aux fournisseurs. Je peux aussi passer du temps en réunion, à échanger avec les différents acteurs de l'entreprise pour comprendre où sont les problèmes avec les fournisseurs, où sont les problèmes sur les matières premières, pour pouvoir derrière faire mon travail et travailler avec le fournisseur. Merci. À votre sens, quelles sont les compétences requises pour pratiquer votre métier? Alors, je dirais que la compétence principale, c'est d'avoir un bon relationnel et un bon sens de la communication, on va dire. Parce qu'on est amené, en tant que fonction support, à travailler avec beaucoup d'acteurs.
donc notamment en interne avec les différents services de l'entreprise, donc la production, le contrôle qualité, l'industrialisation ou autre, et aussi en externe avec les fournisseurs. Donc ça c'est un premier point. Un deuxième point qui va un petit peu avec le premier, vu qu'on travaille avec des fournisseurs qui ne sont pas forcément basés en France, c'est important d'avoir un bon niveau d'anglais. Bon, pas forcément un anglais courant, mais de savoir d'avoir de bonnes bases pour pouvoir communiquer en anglais. Et ensuite, je dirais l'adaptabilité, puisque on a des nouvelles problématiques tous les jours avec des contraintes techniques. Donc, il faut savoir s'adapter, comprendre les problèmes pour pouvoir être le plus pertinent possible. Une bonne analyse. Merci beaucoup, Clara Michelot. Avant de vous présenter nos deux autres invités qui sont présents avec nous sur le plateau ce soir, je vais donner la parole à nos responsables de formation et enseignants-chercheurs, grâce à qui d'ailleurs nous avons un si joli plateau ce soir. Et je vais donner tout de suite la parole à Monsieur Jean Breton. Monsieur Jean Breton, vous êtes maître de conférence et responsable du Master Ingénierie de la Santé à l'UGA. Et vous avez des éléments à nous donner qui seront utiles à nos web spectateurs sur les parcours de formation. Bonjour Jean Breton. Oui, bonjour. Merci beaucoup. La parole est à vous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis chargé de coordonner les masters qui sont organisés par la faculté de médecine et par la faculté de pharmacie de l'Université Grenoble-Alpes. Et ces masters s'appellent les masters ingénierie de la santé. Donc l'année prochaine, on accueillera environ 450 étudiants. Et même si on est une faculté de médecine et de pharmacie, on accueille bien sûr de jeunes médecins, de jeunes pharmaciens, des kinés, des sages-femmes dans nos masters. Mais plus de la moitié de nos étudiants sont des étudiants issus de licences scientifiques, de chimie, de biologie, de biotechnologie, par exemple. Et on tient beaucoup à ce que tous ces étudiants travaillent ensemble, faire travailler ensemble de futurs médecins, de futurs pharmaciens, de futurs scientifiques. C'est très valorisant et c'est très valorisant pour l'avenir. Et puis, autre source de diversité dans nos formations, c'est les intervenants. Donc, on a plus de 500 personnes qui viennent faire cours à nos étudiants. Et parmi ces 500 personnes, on a bien sûr des universitaires, hein, comme moi, ou des hospitalo-universitaires, comme on est une faculté de médecine et de pharmacie. Mais à côté de cette centaine d'universitaires, on a plein d'intervenants professionnels qui viennent de l'industrie, qui viennent de laboratoires de recherche, qui viennent d'agences réglementaires, qui viennent de l'hôpital également. Et ça permet d'apprendre à nos étudiants, d'accord, les aspects scientifiques et technologiques, mais aussi tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est économie, tout ce qui est marketing, qui est très important pour amener sur le marché des dispositifs médicaux, des médicaments qui seront vraiment utiles pour les patients. Alors évidemment, je ne vais pas vous détailler nos 19 formations de master, on n'aurait pas le temps, donc j'ai juste pris quelques illustrations autour d'un problème qui nous concerne tous en ce moment, c'est le coronavirus, évidemment. Et donc, pour vous montrer quelques exemples de ce que peuvent faire nos diplômés, on peut tout d'abord parler du développement de vaccins. On entend beaucoup parler des vaccins. Et si vous voulez savoir comment on met au point ces vaccins, comment on les produit, comment on les commercialise, eh bien, on a des masters sur les médicaments biotechnologiques qui sont tout à fait dans ce secteur-là. Si on s'intéresse seulement à la production, on a aussi des masters de pharmacie industrielle ou des masters dans le domaine de la qualité, comme celui que Clara a décrit tout à l'heure. Et puis, si vous voulez savoir comment on teste les vaccins ou les médicaments dans des modèles cellulaires, sur des ordinateurs ou sur des modèles animaux, avant de les administrer à l'homme, nous avons un master de pharmacologie qui est spécialisé dans ce qu'on appelle les tests précliniques. Et puis après, ça aussi, on entend beaucoup parler. Vous savez qu'on doit faire des essais cliniques de phase 1, de phase 2, de phase 3, avant que ces médicaments soient commercialisés. Et bien là aussi, on a des masters spécialisés dans la recherche clinique qui expliquent comment on conçoit des essais cliniques et comment on travaille avec les patients, les médecins, les entreprises pharmaceutiques pour mener ces essais cliniques jusqu'au bout. Ça, c'est le côté médicament, mais le diagnostic est aussi très important. Et donc, ces derniers mois, on entend beaucoup parler de tests de dépistage, de PCR, de tests antigéniques, de séquençage. Eh bien, on a un master qui est dédié à ce qu'on appelle l'industrie du diagnostic in vitro, l'industrie qui développe tous ces dispositifs. Et puis, enfin, il y a l'imagerie médicale. L'imagerie médicale qui est aussi très importante, qu'on va faire des scanners, par exemple, pour explorer les troubles pulmonaires qu'ont les patients. Et là, on a des masters de physique médicale, d'imagerie médicale qui sont dédiés à ça. Et enfin, dernier exemple, si vous vous intéressez à comment
un virus se transmet, comment un virus circule dans l'environnement. On a un master dans le domaine des relations environnement-santé qui s'intéresse beaucoup à la toxicologie et à l'écotoxicologie, mais qui parle aussi beaucoup de la dissémination d'agents infectieux dans l'environnement. Des formations en plein dans l'actualité. Merci beaucoup, Jean Breton. Je passe du coup la parole tout de suite à Alain Buisson, qui va aussi vous donner des éléments sur les parcours de formation. Vous êtes responsable du master biologie à l'UGA. Alain Buisson, la parole est à vous. Bonjour. Donc, je suis responsable d'une formation qui s'adresse à des personnes qui ont obtenu une licence de biologie, et qui vont intégrer donc un master dédié à la biologie, master qui va se décliner sous la forme de parcours. Donc les parcours, c'est des spécialités. L'ensemble de ce master est enseigné en anglais. Donc on a des étudiants qui vont être formés de manière très pratique à l'anglais et l'anglais scientifique. On a développé des parcours avec des thématiques très particulières. Donc suite à un tronc commun du premier semestre, on se retrouve avec des masters très spécialisés, donc le premier qui s'appelle physiologie épigénétique, développement et cancer, le deuxième neurosciences et neurobiologie, le troisième immunologie, maladies infectieuses, et le quatrième, qui s'appelle biologie structurale. Donc c'est thématiques vont être abordées au deuxième semestre de la première année du master et seront développées de manière très concrète au troisième et quatrième semestre avec des enseignements entièrement dédiés à ces spécialités. Cela peut vous amener à intégrer directement sous la forme d'un emploi d'ingénieur d'études des structures de recherche. Si vous voulez suivre des parcours plus professionnalisants, ils vont vous être présentés maintenant, donc suite au premier semestre, ils vont vous être présentés par Françoise Gabert. Merci beaucoup Alain Buisson. Et donc la parole est à Françoise Gabert maintenant. Vous êtes responsable master biologie et chimie en charge des parcours pro de bio, biotéco. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, dans la continuité de ce qui vient vous être présenté par M. Buisson, notre département de chimie-biologie propose quelques formations, quelques masters professionnels, parmi lesquels Pro de Bio, celui que je vais vous présenter désormais. C'est donc un master qui s'adresse à des étudiants qui ont donc suivi un master 1 et que l'on va recruter pour leur motivation finalement à suivre un parcours professionnel qui va permettre une insertion et un débouché sur des métiers rapides, donc à Bac plus 5. Donc ce master s'adresse à des étudiants motivés pour un certain nombre de domaines de la biologie qui vous ont été présentés, et en particulier celui de l'immunologie, de la microbiologie et de l'infectiologie. Ces étudiants donc sont sélectionnés pour leur culture générale, pour leur curiosité pour le monde de l'entreprise et en particulier pour la recherche et développement dans les domaines appliqués qui se développent dans un grand nombre d'entreprises de biotechnologie, dans les domaines du diagnostic in vitro ou bien dans les domaines des vaccins par exemple. Donc ces étudiants, ce master est un master en formation initiale qui se déroule avec 4 mois de présentation de formation à l'université et suivi d'un stage long, 6 mois, en entreprise. Cela débouche sur une formation où les étudiants ont acquis des compétences de travail au laboratoire, de connaissances de l'entreprise, de la recherche dans les entreprises, et débouche donc sur une formation métier qui va leur permettre donc de s'insérer facilement dans des métiers au niveau ingénieur ou ingénieur d'études. Donc, un certain nombre d'entreprises vous sont ici mentionnées. Les diplômés peuvent donc travailler dans des entreprises de toute taille, des start-up, des TPE, des PME, ou aussi sur des plateaux techniques qui font partie de grands instituts de recherche.
Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Oh, éclairé, c'est sûr, merci beaucoup. Et vous passez la parole à Ghislaine Pella, responsable également des masters biologie et chimie, en charge du parcours Science Trading. Bonjour, effectivement, je vais vous parler de ces masters double compétence qui sont Biotéco, Chemtéco et Science Trading, qui vont former tous aux métiers de commerciaux. Donc des commerciaux avec un bon niveau scientifique en biologie, chimie ou même physique. Et l'idée, c'est dans ces métiers-là, et en particulier, c'est vraiment la demande des entreprises en termes de recrutement, c'est d'avoir des interlocuteurs commerciaux qui comprennent le travail de leurs clients. Donc tout à l'heure, Clara expliquait qu'elle négociait avec ses fournisseurs. Voilà, typiquement, vous seriez fournisseur, en tout cas, pour Clara, possible. Et ensuite, donc, de bien comprendre quelles solutions aussi apporter de manière pertinente, adaptée, technique et scientifique. Donc, ce qu'on va apprendre dans cette deuxième année de master, de parcours, c'est aussi bien au national qu'en international, c'est travailler la relation client. Alors, la relation client, c'est d'abord, évidemment, négocier, faire du chiffre d'affaires pour l'entreprise, mais c'est aussi trouver des nouveaux clients. Alors, les parcours Biotéco, Chemtéco sont surtout destinés au niveau national, donc pour plutôt faire des affaires en France et dans les pays francophones. Et Science Trading est plutôt destiné à l'international, avec des problématiques typiques de l'international. Comment trouver un bon distributeur? Est-ce que je vends en direct sur les marchés ou pas? Donc là, on aura une composante aussi qui va être introduite sur la partie culturelle de l'approche des marchés, qui est moins indispensable sur la partie nationale entre Biotéco et Chemtéco. Donc ces métiers forment bien sûr au domaine commercial dans un premier temps, donc il faut apprendre à être en relation avec le client, et puis on voit des évolutions vers des responsables force de vente, des responsables région, responsables export dans l'entreprise, et tout à l'heure vous écouterez Rémi, qui a son expérience aussi à lui dans ce métier-là et dont on est très content qu'il soit présent là ce soir avec nous pour vous expliquer justement ces métiers, encore une fois, peut-être auxquels vous ne pensiez pas quand vous avez commencé la science et en plus la science que vous aimez, mais vous êtes attendu par les professionnels sur ces métiers-là si vous avez vraiment la petite flamme qui s'allume en se disant, tiens, moi, le doctorat, ben, c'est peut-être trop long, j'aime bien la science, mais c'est peut-être pas pour moi, la recherche. Donc voilà, il y a des métiers qui vous attendent et des entreprises qui recrutent ces compétences-là. Merci beaucoup, Ghislaine Pella. Merci à tous les quatre. Nos lycéens et étudiants qui nous regardent ont maintenant quantité d'informations sur les formations possibles et leurs débouchés. Si vous en voulez encore plus, il y aura le 4 mars un forum en ligne sur les licences professionnelles et les masters de l'UGA. Le lien vous sera communiqué très vite. N'hésitez pas. Je reviens avec nos invités sur le plateau. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un formulaire d'évaluation de la soirée qui vous sera transmis aussi dans le chat ce soir. Je vous promets que ça prend deux bonnes minutes à remplir, pas plus. Et c'est très important pour nous de pouvoir évaluer ces soirées avec vos retours. Merci beaucoup d'avance. Et donc, j'accueille maintenant notre troisième invité, Rémi Reboulet. Vous avez, vous aussi, fait vos études à l'UGA. Vous êtes aujourd'hui responsable commercial pôle BU Produits chez Westling France. Bonsoir et bienvenue sur le plateau avec nous. Bonsoir et merci surtout pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de revenir à l'UGA. Et moi, c'était également l'UJF comme mon voisin. C'était une autre époque, vous voulez dire? Je ne vais pas commencer à être désagréable. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre parcours de formation? Oui, bah du coup, Ghislaine l'a très bien présenté. Donc moi, j'avais un attrait, comme tous mes camarades ce soir, pour les sciences depuis tout petit. Bon, à la base, je voulais faire vétérinaire, mais ça s'est retrouvé finalement assez dur pour moi. Et finalement, est-ce que c'était vraiment ça que je voulais? Je ne sais pas. Mais les sciences, c'était vraiment ce que je voulais depuis tout petit. Et donc, j'ai fait mes études scientifiques, donc un bac S, une licence scientifique.
mais je voyais que les licences, j'avais l'impression qu'on allait finir, comme mon voisin, à faire des études très longues, faire de la recherche, et c'est peut-être ce que je n'aimais pas dans les sciences. Et donc là, j'ai découvert ce master qui avait la double compétence, à la fois les sciences et à la fois le commerce. Et donc, ça m'a vraiment plu et c'est pour ça que j'ai choisi ce master. Merci beaucoup. Vous pourriez nous expliquer, du coup, enfin, non, vous nous l'avez un peu dit, ce qui vous donnait envie d'aller vers la santé, c'était d'abord le métier de vétérinaire. Oui, c'est ça, métier de vétérinaire et un peu aussi la santé, aider les gens, essayer d'avoir un métier qui apporte quelque chose, comme le disait mon voisin, aux personnes. Et donc, je pense qu'on va le décrire après, mais c'est ce que je fais actuellement dans mon métier, donc c'est pour ça que ça me plaît également. Bah justement, effectivement. Votre travail au quotidien aujourd'hui chez Westling France, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Alors du coup, je suis technico-commercial donc pour Westling France. Donc, c'est un laboratoire d'analyse en environnement et en agroalimentaire. Donc on va accompagner des industriels pour qu'ils mettent sur le marché des produits sûrs, donc que ce soit des aliments ou pour ma partie, donc, qui s'appelle une business unit produit, ça va être des emballages alimentaires. Typiquement, on a des bouteilles d'eau devant nous. Les industriels doivent s'assurer qu'il n'y ait pas de choses nocives qu'on va avaler en buvant ces bouteilles d'eau. Donc nous, on propose ce service, donc qui est une analyse, et on va accompagner les industriels à améliorer leur process, par exemple. D'accord. D'autres genres de projets sur lesquels vous travaillez, au-delà des... Alors là, des choses intéressantes et qui sont dans l'air du temps, ça va être des recherches de microplastiques. Alors, je ne vais pas stigmatiser sur la bouteille d'eau qui est devant moi, mais des recherches de microplastiques qui se retrouvent dans tous les milieux. On pense à l'eau, évidemment, mais on en retrouve vraiment partout, dans l'air et dans les aliments également. Donc, c'est des choses qu'on commercialise depuis le début d'année. Ce sont des analyses qui sont faites en interne et dans notre groupe. On est un groupe européen. Et ça va être des analyses qui vont être faites sur nos sites en Allemagne, par exemple. D'accord, merci beaucoup. Quelles sont les compétences que vous estimez essentielles pour faire le métier que vous faites aujourd'hui ? Alors, on l'a assez bien présenté dans le master juste avant. C'est, je pense, d'abord de bien connaître son sujet, d'aimer les sciences pour être un bon technico-commercial. On n'est pas juste commercial, on est un technico-commercial. Et quand on va se présenter face à un responsable qualité, par exemple, d'un site industriel, il faut connaître son métier pour bien le vendre. Donc pour moi, c'est d'abord de bien connaître les sciences et son métier. Et le deuxième, ça serait être à l'écoute. Pas seulement proposer sa solution, mais d'abord comprendre quels sont ses besoins. Et après, on a une part d'anglais qui peut être intéressante, anglais professionnel. Nous, on est un groupe européen, donc on a des échanges avec des clients, mais aussi nos collègues à l'international. Merci beaucoup. Donc, comme le disait Clara tout à l'heure, pas forcément un anglais courant, mais en tout cas, hein, qui permettent de vous exprimer sur votre sujet. Merci beaucoup, je reviendrai également vers vous un peu plus tard. Je me tourne vers notre quatrième invité, Nicolas Chesnay. Vous êtes un grenoblois, un vrai, un pur, avec un baccalauréat au lycée Pablo Neruda à Saint-Martin-d'Hères. Vous vous essayez d'abord à la médecine, puis vous vous réorientez et vous poursuivez vos études à l'UGA et à Grenoble École de Management, avec un double cursus. En janvier 2020, vous cofondez l'association Biosphère Alpes, une association d'anciens élèves des masters ingénierie de la santé. Et aujourd'hui, vous êtes coordinateur projet Scrum Master chez Rock Diagnostics, après y avoir été stagiaire. Bonjour Nicolas Chesnay et bienvenue sur le plateau avec nous. Bonsoir, merci. Pareil que pour les autres, je vais vous demander qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous orienter vers... un métier dans le domaine de la santé. Je pense, comme mes collègues, depuis que je suis tout petit, j'avais envie de m'orienter dans le milieu de la santé. À la base, je voulais être médecin. Et du coup, comme vous l'avez dit, je me suis réorienté, mais je ne regrette pas, au final. Faut savoir, du coup, que le milieu de la santé, c'est un domaine qui est très vaste et qui comprend notamment l'industrie du diagnostic in vitro, qui représente 60 à 70% des décisions médicales. Donc, ça conditionne une grande partie de ces décisions-là. Que j'ai découvert du coup en Master 2 avec le Master de Jean Breton donc, qui vous a présenté tout à l'heure. Voilà, notamment on a appris pas mal de choses sur les acteurs du domaine, les particularités, comment ça fonctionne.
D'accord, donc vous aussi, vous étiez parti pour le soin et finalement, vous avez découvert tous les autres métiers de l'ombre. Exactement. Et ça vous a attiré. Votre poste aujourd'hui chez Roche Diagnostics, ça consiste en quoi? Et notamment la notion de Scrum Master. Master, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus pour nos... Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que chez Roche, donc, j'ai deux casquettes, la casquette gestion de projet agile et la casquette digitale. La gestion de projet agile, c'est un peu l'évolution de la gestion de projet classique où on avait un chef de projet qui donnait des tâches à des personnes et chacun faisait ses tâches pour faire avancer le projet. La gestion de projet agile, ça va être vraiment une gestion de projet beaucoup plus collaborative, beaucoup plus axée sur les besoins des clients. Et donc, ce rôle de chef de projet, il évolue et il se divise en deux rôles bien distincts. Ce qu'on appelle le product owner, donc celui vraiment qui est au contact des clients et qui a la vision vraiment du client et du besoin. Et le rôle de Scrum Master, qui est un rôle du coup plus de facilitateur, leader, serviteur, ce qu'on appelle au service de l'équipe. Pour vous donner une petite idée en quoi ça consiste, il faut imaginer une piste de ski. Et toute l'équipe, elle doit descendre. Et le Scrum Master, lui, il est là pour damer la piste, pour que tout le monde descende sans qu'il y ait aucun problème. Donc on est là, on identifie, on lève les points bloquants quand il y en a. On fait en sorte que les personnes travaillent ensemble. On définit ensemble nos objectifs. Donc on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus collaboratif. Donc un super leader en commerce, un leader d'équipe en commerce. En gestion de projet. Et du coup, la deuxième casquette, c'est la partie digitale aussi. Le digital, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec les systèmes électroniques, les sites internet, les applications mobiles et aussi toutes les technologies de rupture ou non. Par exemple, l'intelligence artificielle, la blockchain, l'Internet of Things et plein d'autres sujets. Et notamment, donc, on est en train de développer en ce moment le Digital Lab, qui du coup est un incubateur de projets digitaux au sein de Roche Diagnostics. Donc à la fois pour nos collaborateurs en interne qui souhaitent développer un projet de transformation digitale, donc on est là pour les accompagner, et aussi pour des clients qui souhaiteraient mener un projet, aussi on les accompagne, donc sur plein d'aspects, on a des experts dans tous les domaines, et du coup aussi en gestion de projet. D'accord. Une journée de travail, pour vous, c'est beaucoup de travail d'équipe, beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de réunions, beaucoup de travail en solo, ça se passe comment? Ouais, c'est exactement ça, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est très différent, ça peut commencer par des réunions où on va de très rapide, de 30 minutes, de synchroniser sur différents projets, voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui reste à faire, et est-ce qu'il y a des points de blocage, et si oui, bah, le Scrum Master est là pour justement les identifier et les résoudre rapidement. C'est très varié, j'ai beaucoup de réunions sur plein de sujets différents, donc je m'ennuie jamais. C'est très stimulant, on est là aussi pour remettre de l'énergie quand on sent que les projets redescendent, et ben on vient justement accompagner les personnes pour que ça reparte et que les choses progressent et avancent rapidement. Merci beaucoup. Quelles sont les compétences que vous repérez pour vous comme pour vos collaborateurs pour faire votre métier? Il y en a plusieurs. Je pense que la première, c'est l'organisation. Il faut vraiment être très rigoureux et très organisé, puisque quand on change de sujet en sujet, il faut vraiment pouvoir recadrer rapidement sur le sujet. Je dirais aussi de la pédagogie, parce qu'on a quand même un rôle de coach, c'est des nouvelles méthodes de travail, donc il faut arriver à former les différents collaborateurs qui ne sont pas forcément au fait de ces méthodes-là, donc c'est beaucoup de conduite du changement, d'accompagnement, et notamment j'ai formé la majorité de l'entreprise sur des outils de gestion de projet, donc ça aussi notamment pendant le confinement, où on avait besoin d'avoir de nouvelles méthodes de travail, donc ce rôle-là aussi de coach. D'accord, je me permets de revenir sur un point de détail sur votre parcours pour les lycéens, surtout pour les lycéens qui nous regardent, un double cursus, oui. Ça se passe comment? Bah, du coup, donc, on avait les cours scientifiques qui étaient dispensés par l'Université Grenoble-Alpes, et on était aussi en parallèle donc, avec l'École de commerce de Grenoble, où on avait un projet tutoré sur une problématique d'industriel du diagnostic in vitro, donc on avait un groupe de 5-6 étudiants, et on a travaillé pendant plusieurs mois pour résoudre cette problématique-là qui avait été proposée par GEM. D'accord. Déjà du travail d'équipe. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour ces présentations. Les web spectateurs qui nous regardent ce soir ont eu la possibilité depuis le début de la soirée de poser des questions sur le chat. Donc, je vous propose qu'on essaye de répondre à quelques-unes d'entre elles. Bien entendu, on ne pourra pas répondre à toutes.
Donc voilà, je ne sais pas qui voudra répondre. Vous pouvez tous répondre d'ailleurs, mais pas en même temps. La première question de nos chatters est la suivante. En quoi votre formation vous a bien préparé à votre futur métier ? Rémi ? Je pense pour moi c'est une réponse assez facile parce que c'était donc mon master 2 chimie et technique de commercialisation et un master en alternance. Enfin, la deuxième année est une alternance. Donc pour moi, ça m'a très bien entraîné pour l'entreprise vu que c'était la moitié l'entreprise et la moitié la formation théorique. Donc, mon master avec tous les cours qu'on avait. Je ne sais pas si je vais entendre les détails là, mais du droit, de l'anglais, du commerce et toujours les sciences. J'étais vraiment préparé pour l'entrée sur le marché du travail. Merci. Moi, je vais les compléter dans la même direction. Donc, le fait qu'on puisse passer donc, dans les dernières étapes ou à partir même de la licence, à la troisième année de licence, d'aller en laboratoire et d'avoir les mains dans le cambouis, entre guillemets, de voir ce que c'est, de se frotter à la réalité du métier. Ça, ça a été vraiment les choses qui ont permis de faire la liaison entre les données académiques, l'apprentissage et la réalité du métier. Donc, dans ce sens-là, et je rajoute, parce que tout le monde l'a dit, l'anglais. Ok. Vous voulez rapporter d'autres éléments ou pas forcément comme... Ouais, bah du coup, moi, je rajouterais aussi, c'est vraiment le double cursus qui a permis d'avoir les compétences pour entrer dans l'industrie. Parce que soit on s'oriente vers la recherche, et dans ce cas-là, c'est les compétences plus techniques, soit on s'oriente dans l'industrie, et dans ce cas-là, c'est vraiment les compétences qu'on a développées avec l'école de commerce de Grenoble qui, dans ce cas-là, nous servent aussi. D'accord. Donc, les stages, l'alternance, le terrain sont les éléments qui vous ont permis de bien vous préparer dans votre parcours de formation. Juste rapide pour dire que oui. Aussi les cours qui sont quand même dispensés au sein de l'université nous permettent d'acquérir quand même les connaissances basiques sans lesquelles on peut pas continuer dans le stage. Mais c'est bien de le préciser. Absolument. Je rajouterais aussi que ça apporte énormément de compétences, notamment la rigueur scientifique, qui est quelque chose de très important en entreprise, la rigueur même tout court. Bien sûr, les compétences de la fac sont aussi essentielles que Les profs à l'UGR ont bien fait leur travail au niveau de nous former sur les techniques, parce qu'il y a aussi la trend. Quelles sont les approches qui sont à utiliser ou qui permettent de répondre aux questions de meilleure manière, etc. Et ça, c'est le travail que font les profs au niveau de la connaissance et de nous transmettre ces connaissances-là. Donc, on a beaucoup parlé des stages, parce que c'est vrai que ça permet vraiment d'y aller, mais tout ce qui est dispensé au niveau écriture, anglais, connaissance, etc., les différents acteurs, maintenant, je crois qu'il y a des formations qui sont ultra complètes, donc... Venez à l'université de Grenoble. Elles ne veulent pas sa réputation. Mais effectivement, par rapport au fait de bien choisir votre cursus et d'être sûr d'aller dans cette orientation, en plus des compétences excellentes apportées par les profs, les expériences de terrain vous ont déterminé. Deuxième question de nos spectateurs est la suivante. Est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver votre premier emploi à l'issue de votre diplôme et quelles ont été vos démarches ? Comme vous voulez. Ça va être encore une réponse facile pour moi, du coup, vu que c'était en alternance. Donc, j'ai testé l'entreprise et elle m'a testé pendant un an. Et pour moi, ça a été très facile parce qu'on a débouché sur un CDD, puis un CDI. Et donc là, je suis encore en poste. Donc, ça reste mon premier emploi depuis 8 ans. Donc, ça s'est fait tout seul. Et très facilement. Ou presque. Merci. Je vais peut-être compléter dans la même idée. Donc, j'ai fini mon stage en 2020 et deux semaines après, j'ai été embauchée donc, dans l'entreprise où je travaille actuellement. Donc, je n'ai pas eu de difficultés non plus à trouver mon premier emploi. Après, peut-être que la crise sanitaire a joué aussi, vu que Biomérieux fabrique donc, les fameux tests Covid. Mais voilà, je n'ai pas eu de difficultés non plus à trouver... cet emploi. Merci. Je vais encore un dernier poupeau ou pas, pour dire qu'en fait, le doctorat, ce ne sont pas des études. Et pour moi, ça a été le premier poste. Et je pense qu'il faut vraiment le prendre comme ceci.
Le doctorat, c'était mon premier contrat en CDD dans la recherche avec lequel, grâce auquel j'ai pu être guidé, mis sur des rails, aidé pour aller ensuite vers le CDD de recherche par excellence, on va dire, qui est le post-doctorat où on va vraiment être par soi-même. Mais donc la difficulté n'y était pas puisque c'était la continuité des études avec toute cette stimulation scientifique. Et donc, à partir du moment où on prend conscience que le doctorat, ce n'est pas se laisser porter pour des études, juste des études, mais qui est vraiment le premier contrat. Donc non, ce n'était pas très difficile. Et après, derrière, la motivation, l'expertise, le background expérimental qu'on peut avoir va séduire les potentiels recruteurs, qu'ils soient académiques ou professionnels, dans le cas de nos collègues ici. Merci beaucoup. Oui, moi, exactement comme Clara, j'ai fini mon stage à Roche en juillet. Après, j'ai été embauchée en CDD, donc pas de difficultés particulières non plus. Dans l'ensemble, ça a l'air de bien s'imbriquer, tout ça. Et du coup, la troisième question en découle. Est-ce qu'il y a des opportunités de stage dans vos structures, celles où vous travaillez, et quels conseils donneriez-vous pour candidater? Réponse est oui, il y a des opportunités de stage dès le départ. On peut montrer d'ailleurs son envie, le fait d'être proactif, extrêmement important pour aller soi-même, justement, encore une fois, voir ce qu'il en est pour de vrai. Il y a des stages, il y a des possibilités à tout niveau, L2, L3, M1, M2, etc. Donc oui, il y a des opportunités. Là, j'en profite pour faire un petit coup de pub. Justement, on a un laboratoire national de parasitologie qui s'appelle Parafrap et nous offrons 17 financements de thèse en France dans les meilleurs laboratoires qui travaillent sur la parasitologie. Allez-y voir. Mais en gros, c'est un secteur qui, malgré la difficulté, c'est vrai que c'est pas super aisé, il faut s'accrocher, mais avec de l'enthousiasme, il y a de quoi faire. Ouais, moi, je vais prendre la parole aussi donc, par rapport au groupe Roche, qui du coup a deux secteurs d'activité, à la fois la pharma et le diagnostic. Donc des opportunités, c'est un groupe mondial, donc il y en a partout en France. Le siège social diagnostique est à Mélan, le siège social de la pharma est à Paris, mais dans le monde entier il y a des offres et aussi des offres de stage. Donc après ouais, il faut, comme tu disais, être proactif et aller regarder et trouver son bonheur. Il y avait la question sur quel conseil, c'est ça, à la fin? Comment oui. Vraiment être proactif et ne pas se limiter, quoi. C'est pas parce que vous n'avez pas un contact professionnel que envoyer un email pour dire ce que vous faites, ça me plaît beaucoup. Je suis, avant d'envoyer une demande de recrutement, renseignez-vous sur ce que font les gens. Ne faites pas du bateau recopier-coller avec le nom de l'équipe, le nom de la boîte et vous refaites ça 3, 4, 5, 6, 7 fois. Impliquez-vous. Oui. Clara. Je pense aussi que s'inscrire sur le réseau social LinkedIn, ça peut aider. Donc ça peut permettre de se développer un réseau et c'est peut-être plus facile après de trouver un stage. Merci beaucoup. Oui. Dernière, sur les réseaux sociaux, ça marche très bien, effectivement. LinkedIn, en science aussi, au niveau de Twitter, il y a une sorte de cercle qui m'était complètement inconnu il y a 3-4 ans. J'étais légèrement réfractaire à ça. Et en fait, on voit que les étudiants, très tôt, commencent à rentrer au contact des laboratoires, des boîtes. Les boîtes aussi communiquent beaucoup. Donc oui, ça a un certain impact assez important. Donc bien se renseigner, être proactif, prendre des initiatives, ne pas hésiter, quoi. Alors, quatrième question de nos spectateurs. L'apprentissage du chinois est-il devenu inhérent à un métier à l'international aujourd'hui? A-t-il remplacé l'anglais? J'ai quand même l'impression que vous avez parlé beaucoup de l'anglais. Qu'en est-il du chinois? Moi, je me lance en disant non. D'accord. Okay. Parce que même si vous voulez travailler avec la Chine, qui n'est pas dit que ce soit the puissance mondiale, malgré tout ce qu'on peut vous faire penser, on va faire du commerce en anglais. Ils parlent l'anglais, donc. Même les Français parlent anglais, de mieux en mieux, ma foi. On s'améliore, on s'accroche. Merci beaucoup. Rien à ajouter pour vous. Eh bien, du coup, je passe à la cinquième question. Dans vos domaines d'activité, y a-t-il des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger? Question tournée vers l'avenir. Oui, du coup, je vais prendre la parole. Donc, c'est vrai que le métier de Scrum Master, c'est un métier qui est présent depuis une vingtaine d'années, mais qui était surtout dans le secteur du développement logiciel à la base.
et qui est en train de se développer énormément dans tous les secteurs, que ce soit sur des projets de marketing, sur des projets de réglementaire. C'est vraiment un état d'esprit plus que des méthodes, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'émergent, et surtout dans le secteur de la santé depuis quelques années, là, de plus en plus. Ça a sa place. D'autres... J'enchaîne, hein. Nous, dans la recherche, on va dire entre guillemets académique, mais même dans le privé, il y a de plus en plus de métiers qui arrivent, notamment par rapport aux multi-casquettes qu'on a. Donc typiquement, là, moi, je dois aller lever des fonds, mais je ne peux pas être scientifique et à connaître les approches techniques au plus haut niveau et faire du marketing, faire de la levée de fonds, être financier. Donc il y a tout un tas de nouveaux métiers maintenant. Qualité lab manager, grant manager, et ça se développe de plus en plus du fait que le métier a beaucoup, beaucoup de tenants et d'aboutissants, et une personne ne peut pas tout tenir. Donc justement, il y a ces opportunités qui se créent, et je pense que c'est la même chose, on en a parlé, hein, de toute façon, commerce et choses comme ça, avec la science, c'est clairement quelque chose qui peut vous apporter un atout. Merci beaucoup. Du coup, la cinquième question, non, la sixième question, pardon, de nos spectateurs, quelles sont vos possibilités d'évolution dans vos métiers respectifs ? Alors, pour ma part, donc, par exemple, pour les laboratoires Vesning, j'ai commencé en tant que technico-commercial, et au bout de quelques années, je suis passé responsable d'équipe. Donc là, pour l'instant, de 3 personnes. Et après, ça serait responsable d'équipe avec un management sur une 10-15 de personnes. Et après, on pourrait faire des évolutions à responsable de site, par exemple. D'accord. Sur les évolutions possibles, d'autres... Bon, pour moi, pour ce que j'appelle l'académique, hein, donc la recherche, on va dire, entre guillemets, publique. Donc, dans la partie recherche, moi, je suis rentré au sein du CNRS en tant que ce qui s'appelle chargé de recherche, donc chercheur avec des projets. Il y avait jusqu'à pas si longtemps plusieurs niveaux, on va dire junior, senior, avec des augmentations de salaire qui vont avec, parce que c'est peut-être des questions auxquelles se posent les lycéens. Et puis derrière, là, moi, j'ai fait un concours, donc concours administratif pour passer directeur de recherche. Donc il y a ces évolutions-là, mais ça se passe aussi tout à fait dans les métiers, on va dire, plus professionnels de la recherche universitaire, savoir qu'on peut très bien commencer technicien, puis assistant ingénieur, puis ingénieur d'études, puis ingénieur de recherche, sans avoir au départ uniquement les diplômes qu'au départ on n'avait peut-être pas forcément envie de passer, parce que ça représentait peut-être des barrières ou des non-envies. Donc oui, il y a cette évolution possible dans tous les métiers de la recherche académique, et je pense que ça se voit aussi chez vous. Oui, exactement. L'évolution naturelle du métier de Scrum Master, c'est le coach agile, c'est-à-dire que là, on encadre plusieurs Scrum Masters. Et après, dans la gestion de projet, on peut aussi évoluer vers des postes de direction de projet, direction de programme, où là, on coordonne vraiment beaucoup plus de projets que juste des projets plus opérationnels. Et ça se passe aussi dans l'enseignement. Vous pouvez être très bien vacataire en enseignant, et puis après rentrer en tant que maître de conférence, puis en tant que, ça s'appelle, j'allais le dire en anglais, full professeur, donc vraiment un professeur d'enseignement, puisque l'enseignement est aussi une partie de ces métiers-là. Hein. Et je rajouterais aussi, au-delà de l'évolution en tant que responsable d'équipe, par exemple, ce qui se fait beaucoup, c'est une fois qu'on a un bagage assez important, on peut aussi se mettre à son compte, et peut-être que Nicolas, tu pourras nous en parler, mais de se mettre à son compte et de, par exemple, être conseiller, consultant pour des sociétés. D'accord. Nicolas. Mais c'est exactement ce que tu disais, Clara. Il y a possibilité aussi d'être consultant, donc soit pour des entreprises de consultants, soit se mettre à son compte aussi, pris après en tant que prestation externe. Ça, c'est tout à fait possible aussi, oui. Ce qui se retrouve aussi dans la recherche, on va dire, académique, où des personnes vont, par exemple, dans le cadre de leur recherche, vont trouver un candidat vaccin et monter une start-up qui peut devenir une entreprise, voire même, tel que c'est un peu le cas chez nous, monter une plateforme d'analyse spécifique qui va être donnée autant aux industriels que aux partenaires académiques. Donc il y a moyen d'évoluer, même depuis le public vers le privé. Je pense que l'inverse doit être possible aussi.
Merci beaucoup. Dans les questions qui nous viennent du chat aussi, quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaite faire de la recherche ? Vous voulez leur donner ? Qui répond ? Je vais commencer, puis peut-être vous aurez pu compléter. Donc, quelqu'un qui veut faire de la recherche, donc typiquement, ne vous formalisez pas sur le pro ou pas pro. Avancez en ayant votre passion, votre envie là-dessus, et puis faites des stages. Faites des stages, allez au contact, essayez de voir. Si vous voulez développer des médicaments, vous dites à votre encadrant, j'ai envie de faire du drug development. Et nous, on est là aussi pour écouter, pour vous amener vers ce que vous avez envie. Donc, vous voulez faire de la recherche, il faut faire des stages, il faut être proactif. Encore une nouvelle fois, n'hésitez pas à contacter, même sans... Vous avez lu à propos de quelqu'un qui a publié quelque chose. Allez-y, contactez, envoyez un email. De toute manière, justement, c'est ça qui va nous dire que vous êtes motivé, que vous avez envie de le faire et que vous êtes la personne sur laquelle on va miser, entre guillemets, on va donner de l'énergie, on va vous former pour arriver à ce que vous avez envie. Donc, stage, contact, différentes techniques. Je ne sais pas, il y en a qui prônent qu'on change un maximum de laboratoire pour voir. Alors, ça dépend à quel niveau. Moi, je dis aussi qu'une carrière peut très bien se construire sur un socle de connaissances et d'expertise technique et technologique qui reste dans un même domaine. Ce n'est pas obligé de passer du coq à l'âne. Merci, Nicolas. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est exactement ça, c'est tester et vous verrez. Vous faites des stages et si ça vous plaît, continuez. Si ça ne vous plaît pas, testez autre chose. Et ça, je pense que c'est le plus important. Merci beaucoup. Alors, encore deux questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un ingénieur d'études ? C'est parce que je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense. Donc déjà, pour rentrer en tant qu'ingénieur d'études, donc il peut y avoir une entrée, on va dire, privilégiée. Peut-être que les profs qui sont présents ne seront pas tout à fait d'accord. Je ne sais pas toute la globalité de la vision du truc, mais on peut rentrer en tant qu'ingénieur d'études au sein du CNRS, de l'INSERM ou des choses comme ceci avec un master. Ça va vous donner donc dans des masters pro, master 1 et master 2 pro vont vous permettre de rentrer à ce niveau-là. Il y a des niveaux d'études qui vous font rentrer à certains niveaux techniques. Donc l'ingénieur d'études, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, c'est pratiquement un chercheur. Hein. C'est quelqu'un qui fait de la technique à la paillasse, que j'appelle la paillasse, donc avec les pipettes ou les ordinateurs, peu importe, qui a la technique pour pouvoir répondre à une question scientifique, donc développer une approche scientifique pour répondre à une question scientifique en ayant développé les techniques. Donc ça, c'est un ingénieur d'études. Et puis l'ingénieur de recherche au niveau, on va dire entre guillemets, au-dessus, va lui designer l'ensemble de l'approche qu'on va y avoir. Donc l'ingénieur d'études, c'est un métier plus technique de la science, de la recherche. Et on a besoin de l'ensemble des acteurs pour pouvoir faire avancer la recherche. Voilà. Merci beaucoup. Il me semble que la réponse était assez complète. Et donc, la dernière question qui nous vient du chat, est-ce que vous continuez, vous, aujourd'hui, à former dans le cadre de vos métiers ? Ouais, tu concluras, c'est oui, ça ? Peut-être, oui. Pour ma part, donc, comme je disais, je suis manager intermédiaire de deux personnes qui sont issues du même master que moi, donc du master chimie et technique de commercialisation et biologie et technique de commercialisation. Donc on transmet également en entreprise les compétences qu'on a reçues et qu'on a acquises sur le terrain. Merci. Nicolas, Clara, non ? Oui, si. Si, du coup, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une grosse partie de mon travail qui est de former justement les équipes sur les nouvelles méthodes de travail, sur les outils, donc... Pour moi, ouais, c'est une bonne partie de ce que je fais au quotidien. Pour ma part, c'est l'essentiel du travail. C'est-à-dire que je forme les gens qui vont nous remplacer en permanence. C'est le but de notre métier, au-delà de générer de la connaissance scientifique qui peuvent être utilisées dans l'utilisation de tous les jours. Le but aussi, c'est la transmission de la connaissance et la formation des gens en fonction de ce qu'ils ont envie. Et est-ce que vous continuez à vous former ?
aujourd'hui ? Lire en permanence des publications scientifiques, sans quoi, moi, je suis mort. En gros, il faut que je lise autant qu'un étudiant. Et si je ne le fais pas, en plus, je vais être derrière mes propres étudiants, donc je ne saurais pas répondre à leurs propres approches. Et puis, je ne serai plus, entre guillemets, à la page. Oui, de mon côté aussi, il y a beaucoup de tendances dans l'agilité. Les choses évoluent rapidement, donc il faut en permanence faire de la veille et se former aussi sur les nouvelles méthodes de management, sur les nouvelles technologies digitales. Donc, ouais, c'est au quotidien aussi. Et puis, il y a des formations, bien entendu. Alors, je parlais des lectures scientifiques, mais dans nos domaines, nos institutions proposent aussi des formations. Typiquement, là, pour moi, j'ai suivi des formations de management d'équipe. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. L'anglais scientifique, l'écriture, les gestes de premier secours, l'hygiène et sécurité. Alors, ça, c'est un domaine qui, actuellement, c'est très actualité. Donc, oui, il y a des formations en plus de ce que nous disions. Hein. Et puis les institutions font en sorte que ce soit le plus accessible possible, voire même quasiment gratuit pour les personnes qui sont au sein soit des entreprises, soit des laboratoires, pour ma part. Merci beaucoup. Donc, j'ai l'impression que quel que soit le niveau d'études, il faut être proactif, savoir prendre des initiatives, être un bon communicant, avoir envie, avoir le goût d'apprendre et de transmettre, aimer les sciences, c'est mieux. Et maîtriser un brin d'anglais. Et il y a quand même pas mal de perspectives dans les formations et les parcours professionnels. Merci beaucoup à tous les quatre. Alors, il me reste une question à vous poser. Je vais vous demander l'exercice d'être concis, mais jusqu'ici, vous y avez très bien réussi et je vous en félicite. Je vous propose de répondre dans l'ordre où vous êtes apparu ce soir. Si vous deviez dire une chose et une seule chose à un lycéen ou à un étudiant qui nous écouterait ce soir et qui s'interroge sur son envie d'aller dans la direction des métiers de la santé, vous y avez déjà tous répondu en partie, mais si vous aviez vraiment une seule chose à dire à cet étudiant ou à ce lycéen, qu'est-ce que ça serait ? Ça peut être un conseil, une motivation, une vigilance, une onomatopée, ce que vous voulez, mais une seule chose. Enthousiasme, se faire plaisir. C'était concis. C'est ce que vous m'avez demandé, non ? Vous êtes parfait. Merci. Moi, je dirais tester, parce que c'est pas grave si on perd une année. Ou voilà, l'important, c'est de tester pour voir si ça nous plaît vraiment. D'aller voir les anciens des masters ou des formations qui vont pouvoir leur donner plein d'infos, comme on vient de le faire aujourd'hui, par exemple. Oui, moi, je voudrais donner un conseil plus général. Je pense que ce qui est important, qu'on veuille aller dans le domaine de la santé ou pas, c'est de développer ses compétences à côté aussi, en parallèle. Parce que quand on sort de notre parcours, on a tous le même CV. Alors, il y en a qui ont travaillé à côté aussi, peut-être, qui ont des expériences. Mais je pense que c'est important de faire partie d'associations, de développer ses compétences, d'aller regarder, d'être en autodidacte. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des sites internet sur lesquels on peut apprendre plein de choses. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très valorisables sur un CV. Donc voilà, n'hésitez pas à toujours être proactif et aller chercher aussi à en apprendre toujours plus, pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre, Cyril Beauté, Clara Michenot, Rémi Reboulet et Nicolas Chenet, d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau de la soirée Métiers de la Santé. Cette soirée Métiers de la Santé était réalisée en partenariat avec les responsables du Master Ingénierie de la Santé, du Master Biologie, et des parcours Biotechco, Chemtechco et Science Training, et la formation continue, apprentissage et insertion professionnelle. Elle s'inscrivait dans le cadre du cycle Ouvrez l'œil, proposé et organisé par la direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle de l'UGA. Ouvrez l'œil vous propose toute une série de dispositifs pour vous permettre à tous de réfléchir et de travailler à votre projet professionnel. Je vous rappelle aussi que cette soirée est évaluée, que vous avez eu dans le chat le lien vers le formulaire d'évaluation de la soirée. C'est très important pour nous et toute l'équipe d'organisation que vous preniez deux grosses minutes pour y répondre. Enfin, nous tenions à remercier tous les acteurs qui ont rendu cette soirée possible, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les responsables de parcours de formation qui nous accompagnaient ce soir et grâce à qui nous avons eu un si joli plateau avec nous ce soir, et toutes les équipes de la DOIP, la direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle, et la direction de la communication de l'UGA, qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Ils étaient avec nous ce soir, à la lumière, au son, à la vidéo. Il y avait Sophie, Christine, Virginie, Jamel, Benoît,
Philippe, Fred, Emeric, Fabien, David, Gilles et Mathias. Et surtout, merci à vous tous qui avez suivi cette conférence et à ceux qui la verront ou la reverront en replay. Vous pouvez retrouver sur PROSE, la plateforme ressources orientation stage emploi de l'UGA, l'ensemble des autres actions Ouvrez l'œil et le replay de cette soirée. N'oubliez pas non plus le 4 mars, le forum en ligne des licences professionnelles et des masters de l'UGA. Le lien vous sera communiqué également dans le chat. C'était Anne-Cécile Draymond. J'étais ravie d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Bien évidemment, une bonne santé ce soir et particulièrement cette année, cela va de soi. Merci à tous. Et bonsoir.